C'était quoi la question? C'était le studio où la scène est. Ah, non, non, pardon. Oh là là, oui. J'ai vu Gainsbourg avec Je suis le buteur que je m'en vais à la télévision. Je suis venu te dire que je m'en vais. Et tes larmes n'y pourront rien changer. Et là, j'ai acheté le disque en 73, j'avais 11 ans. Je l'écoute toujours avec joie. Et c'est ça qui m'a donné envie de faire chanteur. Mais en fait, j'ai pas fait chanteur tout de suite. J'ai fait acteur. J'ai été pris à l'âge de 17 ans sur Pause Café avec Véronique Jeannot. Et ensuite, j'ai fait de la chanson. Je travaille. L'inspiration, il faut aller la chercher. Elle vient pas toute seule. Si on veut se réinventer avec prétention, si on veut se renouveler, si on veut tenir le coup, il faut travailler beaucoup. Et donc l'inspiration, ça vient... C'est comme le cheval, il faut être patient, il faut lui montrer son caractère, les idées sont toutes les mêmes. La vie, l'amour, la mort, en général, ça tourne avec trois sujets, pour tout le monde. Hein. Sauf si on fait de la chanson politique. Mais en général, elle tient pas à la chanson politique, elle est sur un instant. Toute la place avec d'autres... avec la photographie, je fais pas mal de photographie, je travaille beaucoup de dessins, je lis beaucoup de scénarios, je fais beaucoup de films, j'ai la chance de pouvoir tourner des films que je peux choisir. Je peux aussi dire non quand ça correspond pas à ce que je pense. Ça dépend des chansons. On sait pas pourquoi on écrit quelque chose, on sait pas pourquoi on peut rencontrer un artiste, on l'est. Il y a des gens qui peuvent réussir leur vie en chantant, ils sont des vedettes, mais moi, je suis pas dans ce truc-là. J'ai pas de fascination pour moi. J'ai pas de disque d'or à la maison, j'ai pas de photos. J'écoute pas mes disques. Je les fais. Et j'essaie de raconter des histoires. Bon, moi, je suis un type qui est né en banlieue, dans les années 60. Et puis, mes parents ont vécu les mouvements sociaux de l'époque. Ils ont cru qu'il y aurait un monde à construire. Voilà. C'est sur ces bases-là, le genre. Et puis, j'étais gros, et puis j'étais complexé, puis je parlais pas. Et puis, c'est la poésie qui m'a appris à discerner le monde. Et c'est ça qui m'a donné le courage d'être moi. De mémoire, le moment le plus incroyable, où j'ai eu peur, où j'ai été heureux en même temps, où on est resté un peu en suspension avec le public, c'est quand j'ai chanté les yeux révolvers au Zénith, une année où on avait été tous réunis, ça devait être en 85, et je chantais. Et puis je vois dans les écrans de contrôle qu'il y a Catherine Ringer qui rentre derrière. Alors, comment ça va se passer? Je continue à chanter comme si de rien n'était, mais je peux pas faire comme si de rien n'était, là. Et elle arrive, elle danse tout au long de moi. Et là, je me suis dit, ne te cache pas, ni d'avoir peur, ni d'être surpris. Montre-lui ce que tu es. Voilà, cette fille. Qui était un peu, à l'époque, quelqu'un que les gens n'arrivaient pas trop à comprendre ou à contrôler. Et quand on s'est regardé, il s'est passé quelque chose. Et ça s'est bien passé. Et depuis, on est restés amis. Ça a été un des moments, quand même, les plus bizarres. Le moment que je préfère, c'est la création des chansons. Quand un ami t'envoie une musique, et c'est comme si t'envoyais une lettre, un courrier. Et parfois, t'as du mal à la déchiffrer et t'y arrives pas. Et en revanche, quand c'est immédiat, quand il y a l'union de deux êtres, le texte et la musique, et que tu sais plus comment ça a commencé, c'est deux corps avec une seule âme, là c'est vraiment le plus beau. Il y a deux personnes qui m'ont dit des choses qui m'ont vraiment marqué. Jean-Louis Trintignant, sur le film, on a fait un film sur la Fiesta. C'est un film de Pierre Boutron sur la guerre d'Espagne. Nous, on était deux franquistes. Homosexuel. C'est un peu le cage au feu chez Hitler, toi. Et justement, il fallait le jouer sincèrement. Moi, j'avais des pyjamas un peu ridicules. J'étais un acteur qui était devenu capitaine. Et qui regardait gentiment les gens se faire fusiller. Mais, avec quand même, cœur qui bat. On tournait tous les jours. Et un jour, j'ai dit, putain, j'ai le bras qui me fait t'inquiète en foutre. Ça a été majeur pour moi. Non, et puis Chabrol. Chabrol, il m'a appris des trucs. Je me souviens quand j'ai été engagé pour l'enfer. Et je lui ai dit, parce que j'étais fou de Chabrol, Claude. Qu'est-ce que vous attendez de moi? Il dit, je vous attends. Soyez là. Et j'ai fini, mais vous voyez comment vous voyez? Ben, je vois comme vous êtes, comme vous. Hein. Comment vous voyez-vous? Ben, je ne le vois pas, moi. Hein, ben, je vois comme ça aussi. Ben, le titre, déjà, raconte quelque chose. C'est Pasolini qui a dit cette phrase. Regardez la société. Et il disait, c'est pas possible. Et je suis d'accord avec lui. Plus ça va, plus les adultes sont emmerdants, ils sont
Ils sont saoulants. On a eu des enfants maquillés en adulte. C'est le thème du livre que j'ai écrit. Sur l'album. Si vous voulez savoir ce qu'il y a dans cet album, il faut l'acheter. Attends, attends-moi, tiens-moi la main. Ne monte pas dans ce train. Viens dans mes bras, le temps d'un câlin. Reste avec moi. Cet album, je sais pas quoi vous dire. Ça s'est trouvé comme ça s'est fait pendant la période du Covid. Peut-être ça a donné des choses, cet enfermement, peut-être, voilà, ça met à distance le truc. C'est un album digne. Allez l'acheter, vous allez voir, il est super. Ah, la chanson. Ah oui, je vais faire le refrain seulement. Hein. Attends, attends-moi, prends-moi, tiens-moi la main, ne monte pas dans ce train, viens dans mes bras, le temps d'un câlin, reste avec moi ce soir. Reste avec moi ce soir. Dun 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 dun.